Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. N'as-tu pas acclamé plus fort encore le Seigneur? N'as-tu pas l'acclamé encore plus fort? Alléluia! Gloire à toi! Gloire à l'agneau! Merci Seigneur! Alléluia! Ah Jésus! Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ces instants. Merci pour ton onction que tu répands sur nos vies en ce moment. Merci pour ce merveilleux cantique par lequel nous exprimons notre reconnaissance à toi. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Nous parlons de l'onction pour un établissement divin durable. Amen. L'onction pour un établissement divin et durable. Si vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez pas expérimenter eh bien, l'établissement. Ou si vous expérimentez l'établissement, cet établissement peut ne pas être durable. Parce que ce qui conserve l'établissement, c'est l'onction du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit conserve l'établissement divin. Il fait de ton établissement un établissement durable. Je veux entendre amen. Le rôle, le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans notre établissement. Il a un rôle. Alléluia. Un grand rôle, il va le jouer pour dans ton établissement. Donc, pour cette année, il y a une chose que tu vas faire. C'est de rechercher ardemment, puissamment, sérieusement, l'onction du Saint-Esprit. Je vais vous demander de lire avec moi dans Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est une déclaration que je voudrais que chacun de nous, au sorti de ce culte, ou à la limite, à la fin de ce mois, que tu puisses faire cette déclaration. Vous verrez plus tard, dans Luc chapitre 4, Jésus va faire la même déclaration. Ésaïe l'a fait. Jésus l'a fait. Toi, tu dois le faire. Pierre l'a fait. Actes chapitre 2, Pierre a dit, nous ne sommes pas ivres, comme vous le pensez, comme vous le croyez. C'est seulement la 9e heure. Même si on était ivre la nuit, alors à cette heure, on ne devrait plus être ivre. Donc ce que vous constatez, c'est l'onction. Quelqu'un dit onction. Pierre dit, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas remplis de vin, comme vous le croyez, mais au contraire, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et il ajoute ceci. Il dit, ce que nous vivons est l'accomplissement de la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Alors, Ésaïe l'a fait. Jésus l'a fait. Pierre l'a fait. Paul l'a fait. Jean l'a fait. C'est ton tour. Dis avec moi, c'est mon tour. Et parle à ton voisin. Dis-lui, c'est ton tour, voisin. C'est ton tour, voisin, de faire une déclaration solennelle par rapport à l'onction. C'est ton tour de faire une puissante déclaration par rapport à l'onction. Jésus a fait une déclaration par rapport à l'onction. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de puissance est sur moi. Alléluia. Que chaque homme de Bethel, chaque femme de Bethel, chaque croyant puisse se tenir debout
dans sa maison et dit, l'onction de l'Éternel est sur moi. Dans ton lieu de travail, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ce que vous voyez qui vous étonne que je travaille bien, que je sois le premier en classe ici, j'ai toujours la meilleure note, c'est parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia! La raison fondamentale pour laquelle les autres créent des entreprises et les ferment un an après, deux ans après. Et moi, depuis que j'ai commencé mon entreprise, elle ne ferme pas. C'est parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. La raison pour laquelle vous les chercheurs, vous cherchez, vous ne trouvez rien. Et moi, quand je cherche, je trouve tout au-delà de toute imagination. C'est parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ce qui est difficile pour vous, très compliqué pour vous et très facile pour moi, c'est parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Les pharisiens, les sadduciens ne pouvaient pas chasser les démons. Ils cohabitaient avec les sorciers, les démons. Ils ne pouvaient pas les chasser. Ils cohabitaient avec les malades. Ils ne pouvaient pas les guérir. Mais quand Jésus est arrivé, un petit doigt, il dit, démon, sors. Et le démon sort immédiatement. C'est parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Tout ce que les pharisiens ne pouvaient pas faire, les sadduciens ne pouvaient pas faire, ils étaient des bons théologiens, oui. Des bons discoureurs sur Dieu, oui. Mais ils n'avaient pas de puissance. Jésus, il était puissant en parole. Mais il était aussi puissant en œuvre. Pourquoi le secret? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ah, je veux que tu désires ce matin avoir l'Esprit de l'Éternel sur toi. Que tel soit le désir de ton cœur. Et que tu puisses, à la fin de ce culte, quand tu vas arriver chez toi, tu puisses te tenir debout au milieu de ta famille et dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Cela s'appelle l'onction. Que quelqu'un dise encore onction. Nous devons nous familiariser avec ce terme. Parce que pendant ce mois, Dieu me dit, il va faire des merveilles. Il va faire des merveilles. Il n'y aura plus de prières sans onction. Il n'y aura plus d'enseignements sans onction. Plus de prédications sans onction. Plus de ministères sans onction. Plus de chants sans onction. Plus de louanges sans onction. Plus de musique sans onction. Il n'y aura plus de France sans onction. Alléluia. Il y aura l'onction avant, pendant et après. Parce que c'est l'onction qu'il nous faut. L'onction, c'est la nature de Dieu en nous. L'onction, c'est la main invisible de Dieu derrière notre main visible. C'est cela l'onction. Quand tu étends ta main, les gens voient ta main, elle est visible. Mais derrière ta main, il y a une main invisible. L'onction, c'est ce qui a amplifié, qui a donné de la vitesse au caillou de David. Quand il était face à Goliath, la Bible nous dit, il en avait cinq. Mais il a pris un seul caillou. Et quand il a tendu sa main, l'onction, c'est cette main invisible qui a donné du poids, de la puissance, de l'autorité, de tout ce que vous pouvez imaginer, de la vitesse au caillou de David et de la direction, j'allais dire. Parce que l'onction, nous le verrons plus tard, l'onction donne de la direction. L'onction a donné de la direction au caillou. Pas à gauche. Pas à droite, même pas à l'oreille. Tu ne feras même pas comme Pierre, qui n'a fait que sélectionner l'oreille. Toi, tout droit sur le front de ce géant qui est devant toi. Pour David, c'était Goliath. Mais pour David, pour toi, je ne connais pas le nom de ton géant. Mais toi, tu connais le nom de ton géant. Tu connais la dimension de ton géant. Tu connais la taille de ton géant. Mais ce matin, je veux t'encourager à rechercher l'onction parce que l'onction, c'est la solution à ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel
est sur moi. Oh, c'est une des plus belles déclarations que j'ai trouvées dans le monde entier. C'est une des plus belles déclarations sorties de la bouche de Jésus. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pas sur nous. Souvent, nous nous cachons dans le « nous » là. Mais sur moi. Sur moi. L'Esprit de l'Éternel peut être sur nous, ici à Bethel, et pas sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'a pas dit « L'Esprit de l'Éternel est sur nous ». Il a dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Car il m'a oint. Il m'a oint. Est-ce qu'il t'a oint? Sinon, dis-lui « Seigneur, oint-moi maintenant ». Parce qu'il a déjà dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Si son esprit n'est pas en toi, si je ne t'ai pas oint jusqu'aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau de Dieu, hein? C'est à ton niveau. Nous verrons cela tout à l'heure. Nous verrons cela tout à l'heure. Ce n'est jamais au niveau du Seigneur. Parce qu'il a déjà dit. Il a déjà décliné sa stratégie. Les concernés, il dit toute chair. Toute chair. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire l'onction de Dieu ce matin? Reçois-le au nom de Jésus. Dis, je le reçois au nom de Jésus. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle pour une mission, il nous confère toujours son onction. Car sans onction, on ne peut pas opérer. On ne peut rien faire sans l'onction. Vous allez dire, peut-être, ah, le pasteur s'est trompé, peut-être dans l'église, mais ailleurs, je peux faire beaucoup de choses sans l'onction. Laisse-moi te dire, même ailleurs, tu ne peux rien faire sans onction. Tu ne peux pas accomplir ta destinée sans onction. Ça, la main invisible de Dieu. Onction, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu dans ta vie. C'est ça l'onction. La présence de Dieu, la touche de Dieu, le revêtement de Dieu, de puissance et d'autorité sur ta vie. Même les études, tu ne sais pas le faire sans l'onction. Ou tu ne le feras pas exactement comme Dieu le désire. Peut-être comme toi tu le veux, ou comme tes parents le veulent. Mais comme Dieu l'a déterminé, avant que tu ne viennes sur la terre, tu ne peux pas arriver là-bas sans onction. Les démons vont s'opposer à toi. Les sorciers vont s'opposer à toi. Et ils vont t'empêcher d'y arriver. C'est l'onction qui brise le joug et les barrières. Si vous n'avez pas l'onction, vous allez faire comment? Face à certains obstacles de taille. Si David n'avait pas l'onction, il allait faire comment pour résoudre le problème, l'équation de Goliath. Mais vous vous souvenez que lorsque le prophète Samuel arrive, au milieu de ses frères, il a été oint. Alléluia! Et ces mêmes frères qui ont vu l'huile répandue sur la tête de David, ont vu David tuer le géant Goliath devant eux. Les mêmes. Dit ancien. L'Ancien Testament nous présente plusieurs sortes d'onction. Plusieurs sortes d'onction. Il y avait l'onction que Dieu donnait aux sacrificateurs pour la sacrificature, pour leur ministère sacerdotal. Et il y avait l'onction pour consacrer tous les ustensiles de la maison de Dieu. Devait être oint. Parce que c'est cela qui devait les dissocier des autres ustensiles. On les a tous achetés dans le marché. Mais quand ça arrive dans la maison de Dieu, et que ça touche à l'onction, ça devient sacré. Garde à l'utilisation que vous en ferez. Ça devient sacré. C'est ça qui fait qu'on peut naître tous dans une même famille. Mais lorsqu'on arrive à l'église, lorsque certains vont à l'église, d'autres n'y vont pas. Et que ceux qui arrivent à l'église ont été oints.
C'est ce qui fait qu'ils sont sacrés. Alléluia. Ils sont différents. Vous êtes sortis des mêmes entrailles. Mais vous n'avez pas les mêmes destinées. Et vous n'êtes pas les mêmes. Parce que vous avez touché à l'onction. Et d'autres n'ont rien touché. Alléluia. Il y avait l'onction aussi pour les rois. Il y a l'onction pour les rois. Vous allez voir que l'onction dont je parle, ce n'est pas comme nous le comprenons. Aujourd'hui, nous pensons que l'onction, c'est seulement pour prophétiser. Ça, c'est une onction parmi tant d'autres. Et je prie pour qu'il y ait ce matin des gens qui seront loin d'une onction royale. Alléluia! Parce que nous avons besoin des hommes d'État, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin des grands scientifiques, remplis du Saint-Esprit, à qui Dieu va révéler les secrets qu'il a cachés aux autres scientifiques. Nous avons besoin des juristes, à qui Dieu va révéler des choses qu'il n'a pas révélées aux autres juristes. Parce qu'ils sont ses enfants, parce qu'ils sont privilégiés, parce qu'ils n'ont pas le même statut, la même identité. Et il y avait l'onction royale. Et David avait reçu cette onction royale. C'est pourquoi il n'était pas sacrificateur. C'est pourquoi il n'était pas prophète. Mais c'est pourquoi il était roi. Et c'est pourquoi il pouvait vaincre Goliath. Parce qu'on ne vainc pas Goliath avec l'onction prophétique ou l'onction de la sacrificature. Il fallait l'onction royale. Et de tout ce qui était là, c'est lui qui avait l'onction royale. Ah, je prie que quelqu'un touche à l'onction royale ce matin. Que quelqu'un se frotte à l'onction royale ce matin. Alléluia. Mais il y avait aussi l'onction prophétique. Pour vivre dans le prophétique. Et il y avait des prophètes comme Élie. Des prophètes comme Élisée. Qui étaient puissamment loin. Puissamment loin. Élisée jusqu'aux eaux. Son onction était allée jusqu'à loger dans les eaux. C'est pourquoi il est mort des années après. Un cadavre le touche et revient à la vie. Quelle onction! Quel niveau d'onction! S'il y a plusieurs sortes d'onction, il y a aussi des niveaux d'onction. Mais je prie que tu atteignes le niveau le plus élevé d'onction. Au nom de Jésus, le niveau le plus élevé. Nous n'avons rien à faire avec la périphérie. Jésus dit à Pierre, avance en plein eau et jette le filet. Avancez en plein eau. Apprenez à aller, à demander à Dieu le maximum. La foi, la véritable foi, c'est de la folie. Si jusqu'ici on ne vous a pas encore dit que vous êtes fou, vous n'avez pas encore atteint un niveau de foi, un niveau d'onction. L'onction, ce niveau d'onction, lorsque vous en arrivez là, on dira de vous que vous êtes ivre, rempli de vin. Les disciples étaient arrivés à ce niveau d'onction dans la chambre haute au bout des 10 jours. Ils sont arrivés à ce niveau-là où la foule les a vus. Ils ont dit ils sont remplis de vin. Ils n'ont pas dit ils ont bu un peu de vin. Ils ont goûté du vin. Non. Le terme qui s'y est en ce moment, ils sont remplis de vin. C'est-à-dire quand tu es rempli de vin, comment tu bouges, tu ne peux même pas te tenir debout. Quand tu es rempli de la présence de Dieu, il y a les mêmes effets. Le courage que ça te donne, un homme rempli de vin, il peut dire, regardez Macky Sall droit dans les yeux et lui dire, donne ta vie au Seigneur. Il peut regarder un idolâtre et lui dire, donne ta vie à Jésus. Parce qu'il est, il est ivre. Il est hors de son, il est contrôlé par la puissance du vin. Et lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes contrôlé, vous êtes sous la domination, vous êtes sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Et, alléluia, j'aimerais que tous les enfants de Bethel, tous les chrétiens de Bethel arrivent à ce niveau où nous sommes tous possédés par le Saint-Esprit, contrôlés par le Saint-Esprit, sous la domination de l'Esprit de Dieu.
Même le dimanche, quand je dois donner ma dîme, c'est le Saint-Esprit qui me dit combien. Quand je dois donner l'offrande, c'est le Saint-Esprit qui me dit combien. Quand je dois aider un frère en difficulté, c'est le Saint-Esprit qui me dira combien. Et qui va me montrer le frère. Parce qu'il y a des bons frères, il y a des faux frères. Il y a des besoins réels, il y a des besoins qui ne sont pas réels. Quelqu'un viendra te dire, papa, il faut m'aider parce qu'il est paresseux. Le Saint-Esprit, pendant, il n'a même pas encore terminé, le Saint-Esprit te dit, il est paresseux. Il ne faut rien lui donner. Un frère, une sœur viendra vers toi avant même qu'il n'arrive. La nuit, Dieu t'a révélé. Il y a une sœur qui viendra te voir. Il faudra l'aider. C'est ma fille. Il faudra l'aider. Donne-lui temps. Et dès que tu la vois parler, il n'a même pas encore terminé. Tu dis, ma sœur, ce n'est même pas l'appel de terminer. Dieu m'a déjà révélé. Tiens, je l'avais préparé depuis la nuit. Je me suis réveillé avec ça. Dieu, je l'avais préparé pour toi. Je n'attendais que tu te présentes. Dieu me l'a révélé. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est l'onction qui fait ça. Si vous n'avez pas l'onction, vous serez en train de faire, vous allez croire que vous êtes en train de faire le bien, alors que vous êtes en train de détruire des jeunes, parce que vous les rendrez paresseux. Mais l'onction va vous donner une direction. L'onction va vous révéler les choses clairement, quelles qu'elles sont. L'onction ne ment pas. Je parle à quelqu'un, l'onction ne ment pas. Et lorsqu'il y a mensonge, l'onction le détecte. L'onction le décèle. Et l'onction le met en quarantaine. Parce que l'onction n'aime pas le mensonge. Alléluia. L'onction prophétique. C'est pourquoi de nos jours, nous avons besoin des vrais prophètes. Pas des faux prophètes. Mais des vrais prophètes qui sont capables de dire à quelqu'un, mets de l'or dans ta vie. Autrefois, les chrétiens qui ne marchaient pas selon le Seigneur, ils fuyaient certaines rencontres. Parce que dès que tu te présentes, tu es exposé à l'onction. Et l'onction va dire qui tu es, ce que tu as fait hier. L'onction va le dire. Nous avons besoin de cette onction. Au nom de Jésus. C'est ça l'onction prophétique. Et aujourd'hui, toute personne qui prophétise, on l'appelle prophète. Ce n'est pas tous ceux qui prophètent qui sont des prophètes. Tous ceux qui prophétisent qui sont prophètes. Non. Il y a le don de prophétie, il y a le ministère prophétique. N'est pas prophète celui ou celle qui prophétise. Ça, c'est un don. Le don ne fait pas de quelqu'un un prophète. Arrêtez de détruire la vie des jeunes en les appelant prophètes. Vous semez l'orgueil en eux. Et le Saint-Esprit se retire. Parce que là où il y a l'onction, là où il y a l'orgueil, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. C'est Dieu qui doit être glorifié et pas l'homme. Alléluia. Donc, quelqu'un qui prophétise, il a le don, il manifeste le don de l'esprit terminé, il n'est pas prophète. Arrêtez-les, arrêtez de les appeler prophètes. L'onction donne de l'habileté. L'onction rend habile. Bethsalé le Holiab, quand ils ont reçu l'onction, ce n'était pas pour parler en langue seulement. Le parlant en langue est très bon. Moi, je parle en langue. Je prie en langue. Mais c'était pour faire des inventions. Il devait être équilibré. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Nous n'avons pas vu là où ils ont prophétisé. Mais ils avaient une sorte d'onction. L'onction pour inventer. L'onction qui les a rendus habiles. Capables de faire des créations. Si tu es dans le génie civil, capable de faire de ces plans, que les gens vont dire, mais comment il arrive à faire ça? Même des présidents vont t'appeler pour avoir des plans pour leur palais. Bethsalé le Holiab avait cette onction. Il devait construire la première maison de Dieu. Les mesures, tout ça venait du ciel.
ils sont sur la terre. Tout vient du ciel. Moïse reçoit. Elle les transmet. Ce n'est même pas eux qui reçoivent directement. Mais ils reçoivent une information de deuxième main. Et ils traitent l'information. Ils ont la capacité de traiter l'information. Et de faire des plans de sortir le tout premier bâtiment. Et il devait, tout devait être fait avec exactitude. Avec précision. Pas d'erreur. Alléluia. C'est ça ce que l'onction fait. Ça te rend habile. Dans ton domaine, tu seras aiguisé. Habile. Ça te donne de la créativité. De la capacité d'inventer. Je rêve que les médecins chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, découvrent, parce qu'on découvre, sinon tout est déjà là. Dieu a déjà tout. Tout donné à l'homme. Tout mis dans la création. Il y a des maladies dont aujourd'hui on dit, on n'a pas de médicaments pour ça. Simplement parce que les chercheurs cherchent et ils ne trouvent rien. Mais où sont ces David? Où sont ces hommes et ces femmes qui ont fait les mêmes formations, les mêmes écoles de médecine, mais qui ont la touche de Dieu, qui ont le revêtement céleste, qui ont la main visible de Dieu derrière leurs mains pour découvrir les médicaments qui soignent le cancer, le sida et que sais-je encore. L'église est atteinte par la paresse spirituelle. L'église est limitée au même titre que le monde face à certains phénomènes. Eux, ils disent pas de solution. Nous, nous disons pas de solution. Tel n'a jamais été le cas pour Jésus. Ce qui était difficile, impossible aux pharisiens, aux sadduciens, aux scribes, Jésus est arrivé à résoudre cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les cas compliqués, les cas les plus compliqués, quand on les amenait devant Jésus, il arrivait à les résoudre. Que quelqu'un dise onction. Nous avons besoin de cette onction. Pas l'onction simplement pour tomber. Tu peux tomber, mais relève-toi pour relever un défi. Alléluia. Dès que tu tombes, relève-toi plus vite pour relever un défi. Les défis qui sont devant l'Afrique. Les défis liés au développement de l'Afrique. Liés à l'émergence de l'Afrique. Liés à la misère que traverse ce continent. Relève-toi pour relever ces défis, s'il te plaît. Très vite. Oui, il est permis de tomber. Mais relève-toi plus vite que possible. Alléluia. Parce que l'onction est très fort. Il y en a qui ne le supportent pas, ils tombent. Mais c'est pour que tu puisses relever les autres qui sont déjà à terre. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'onction a été donnée pour une fonction. L'onction n'était pas donnée pour être donnée comme ça, juste pour décorer nos vies. Non, l'onction a été donnée pour résoudre des problèmes. L'onction a été donnée pour gouverner. L'onction a été donnée pour diriger, pour exercer l'autorité, pour exercer une position, une fonction. L'onction n'était pas donnée par hasard. Le roi, le sacrificateur, le prophète, tous étaient oints pour une raison. Dans le Nouveau Testament, c'est maintenant l'onction est donnée en abondance. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'était quelques personnes que Dieu sélectionnait, à qui il donnait l'onction
pour résoudre un problème. Mais dans le Nouveau Testament, l'onction est répandue sur toute chair. Alléluia. Il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. L'onction est une capacité surnaturelle. Je le disais tantôt, l'onction, c'est Dieu en vous. C'est la définition la plus simple. Dieu en moi, là, c'est l'onction. Et l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour nous rendre efficaces. Efficaces pour nous établir dans un domaine. Ça peut être le domaine de la santé. Dieu veut t'établir là comme un monument. Tu deviens incontournable. Ça peut être le domaine de la science. Dieu peut t'établir là dans le domaine scientifique comme étant un des plus grands scientifiques de ton temps. Pour être incontournable. Quand les gens sont bloqués, ils font recours à toi. Nous connaissons un homme qui peut résoudre ce problème. Dieu peut t'établir dans le monde des juristes, comme un avocat ou un juriste puissant, incontournable, comme un ingénieur. Dans ton domaine, Dieu veut t'établir comme un homme d'affaires qui finance les projets des uns et des autres. Alléluia! C'est cela aussi, l'onction. L'onction, c'est l'investissement de Dieu dans ta vie. Il investit en toi. C'est ça l'onction. C'est qu'il dépose la part de Dieu, la part qui revient à Dieu dans ta vie. C'est qu'il contrôle. Ce sont ses actions dans ta vie. C'est cela aussi l'onction. L'onction, c'est l'homme qui agit à la place de Dieu. Alléluia. Et il fait exactement comme Dieu aurait fait s'il était là. Est-ce que je me fais comprendre? L'homme agit à la place de Dieu et fait les choses exactement comme si Dieu aurait fait quand il était là. S'il était là. Comme il aurait fait s'il était là. Quand il revient, il voit. Il dit, mais parfait, c'est exactement comme ça que nous l'avions rêvé. Si j'étais là, c'est exactement de cette manière que j'allais le faire. Il a bien fait, rien à dire. Rien à dire, c'est ça l'onction. L'onction, c'est la capacité de savoir ou de pouvoir. L'onction, c'est un vêtement, un revêtement d'huile sur quelqu'un. Comme Saoul. Saoul, on lui dit, l'esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé en autre homme. Voilà ce que l'onction fait. Il te saisit. Toi, un peureux, toi, un jeune homme qui cherche les années de son père, il te saisit. Toi qui ne rêvais même pas à la royauté, parce que dans ta famille, il n'y a jamais eu de président, il n'y a jamais eu de ministre, même pas de directeur de cabinet de ministre. Il n'y a jamais eu une autorité dans ta famille. Mais quand l'Esprit de Dieu se saisit de toi, il te transforme en autre homme. C'est ce qui est arrivé à Saoul. Il cherchait les ânesses de son père. Il ne cherchait pas la royauté, mais la royauté le cherchait. Je vous dis à quelqu'un ce que tu cherches. Ce que tu ne cherches même pas, te cherche aussi. Ce que tu ne désires même pas, il va t'atteindre maintenant. C'est ça l'onction. Sinon, il y a deux types d'onction. Il y a deux sources de recevoir l'onction. Il y a l'onction, ce que j'appelle l'onction de la grâce, l'onction de la faveur, que nous pouvons recevoir simplement en étant dans une église comme Bethel, où on parle d'onction, où on parle de Saint-Esprit, où on laisse le Saint-Esprit l'attitude, n'est-ce pas, de faire de nous ce qu'il veut. Tu peux recevoir l'onction seulement en étant dans une église comme ça. Mais il y a une église, il y a une sorte d'église là, d'onction du moins. J'appelle cette onction une onction sacrificielle. C'est une onction qui est au bout des sacrifices, au bout des efforts. Parce que tu as jeûné, tu as prié, tu as jeûné, tu as cherché Dieu, tu as supplié Dieu, tu as prié le Seigneur. Et le Seigneur te donne cette onction. Et je veux dire à quelqu'un,
Si tu es dans une église comme ça, tu n'as pas sur cette onction de faveur. Cette onction que Dieu répand sur des gens même qui ne le cherchent pas. Alors, fléchis les genoux devant le Seigneur. Et tu auras l'onction sacrificielle, liée au sacrifice. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, la confession, elle est biblique. Et la confession, elle est terrible. Regardez, Esaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est la confession, c'est la déclaration. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est la confession, c'est la déclaration. Mais l'onction est toujours donnée pour un but. N'oubliez pas cela. L'onction est toujours donnée pour un but. Laissez-moi rapidement parler des quatre niveaux d'onction. Les quatre niveaux d'onction. Nous avons le premier niveau, c'est naître de l'esprit. Tout commence par là. Luc chapitre 1, verset 28 à 35. Naître de l'esprit. Jésus est né de l'esprit. La Bible dit, tout ce qui est né de l'esprit triomphe du monde. Tout ce qui est né de l'esprit domine dans le monde. Tout ce qui est né de l'esprit a la force de tout contrôler. Et rien ne peut te contrôler. La pauvreté ne peut pas te contrôler. L'ignorance ne peut pas te contrôler. L'échec ne peut pas te contrôler. Aucun démon, aucun sorcier ne peut te contrôler. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Ça, c'est le premier niveau d'onction. Jésus l'a reçu, étant même dans le ventre de sa mère. Quand Marie, Gabriel arrive, il dit à Marie, tu auras un enfant. Marie a dit, oh, comment cela peut-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Mais l'onction n'a pas de limite. L'onction n'a pas de barrière. Il n'y a rien qui peut empêcher l'onction de se manifester. Quand elle désire de le faire, l'ange lui dit, Marie, tu auras un enfant. Le Saint-Esprit, quelqu'un dise le Saint-Esprit, viendra sur toi. C'est ça. Tu penses que c'est compliqué. Ce que le pasteur Félix te demande, ce qu'il dit est compliqué. Il ne connaît pas ma famille, mais je connais l'onction du Saint-Esprit. Je ne connais pas les problèmes de ta famille, mais je connais la puissance du Saint-Esprit. Et Marie est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus est né de l'Esprit. Car rien ne pouvait l'arrêter. Nous, nous sommes nés de l'Esprit. Pas de la même manière que Jésus est né. De l'Esprit. Pour nous, c'est spirituel. La nouvelle naissance, ce que Jésus tentait d'expliquer à Nicodème, il ne comprenait pas là. Mais si tu es né de l'Esprit seulement, tu as déjà un niveau de puissance. Un niveau de capacité, de force. Deuxième niveau, c'est être rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 1. Être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas t'arrêter à la nouvelle naissance. Il y en a qui, il y a même des églises qui s'arrêtent à la nouvelle naissance. Ils disent non, non, nous quand on est né de nouveau, là, quand on devient chrétien, on a le Saint-Esprit, on a le Saint-Esprit et ces églises ne grandissent pas. Parce que ça, c'est le niveau élémentaire. Et personne ne travaille avec son diplôme de certificat maintenant. Ou bien le diplôme de maternelle. Et vous pouvez aller demander du travail avec l'attestation que tu as fait à l'école maternelle. On va te renvoyer. On va te renvoyer. Il y en a qui s'arrêtent là et disent, non, nous là, on n'a pas besoin de ça. Vous là, vous faites du bruit. Le bruit est bon. Une Américaine a dit, non, qu'elle ne comprend pas pourquoi nous, ici en Afrique, les Africains, ils crient pour chasser les démons. Alors qu'en Amérique, là, ils ne crient pas, ils parlent seulement et les démons s'en vont. Je lui dis, laissez-nous avec nos cris. Les démons en Afrique, ici, si tu ne cries pas, ils ne sortiront pas. Oh! Laissez-nous avec nos cris. Vous avez affaire à un démon qui n'est jamais sorti du village. Qui ne connaît pas le dialogue, hein, qui n'est pas civilisé, et tu dis tu ne vas pas crier. Hein? Faut crier sur les témoins. Ouais, ils vont fuir. Ils sauront que c'est sérieux.
Parce que ici en Afrique, tant que tu n'as pas crié, les gens ne verront pas que c'est sérieux. Pour qu'ils sachent que tu es vraiment sérieux, il faut crier. Il faut dire, c'est maintenant en ordre, démon. Tu quittes maintenant. Dis, ah, c'est sérieux, on va aller où? On va aller où? Je lui ai dit, laissez-nous avec nos cris. Vous ne connaissez pas les réalités de l'Afrique. Il ne faut pas nous rendre tièdes là. Amen. Donc, deuxième niveau d'onction, c'est être rempli. Rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit. J'aime ça. J'aime ça. Là maintenant, ce n'est plus Jésus qui fait une déclaration, qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est les gens qui constatent, qui voient. Il est temps que toi maintenant, tu te taises. Tu as fini de faire ta déclaration, tu te taises. Tu laisses les gens constater ce que le Saint-Esprit fait en toi. Ah ah, laisse les gens maintenant, ils veulent voir ça. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir aussi Jean, Paul, Jeannette. Nous voulons voir Emmanuel. Quand elle dirige la louange, on veut sentir, voir l'onction se manifester. Quand elle prend le micro, quand les démons quittent la salle, ah, on veut voir Emmanuel. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas remplis de Facebook ou des photos de Facebook ou de WhatsApp. Toutes ces photos-là, on vous bombarde très tôt le matin. Vous remplissez vos vies de ces photos. Vous les connaissez dans la réalité. Ils ne sont pas si beaux que ça. C'est ça la réalité. Ils font de ces photos-là. Je ne sais même pas comment certains le font. Parce que je ne vais même pas le connaître de peur que je sois tenté de le faire. C'est un péché. De donner aux gens l'image que vous n'avez pas. Et c'est tout ce qui m'a cherché des maris dans Internet. Cherchez les maris à l'église. Arrêtez de chercher les maris dans Internet. Le mari que tu vas trouver dans Internet là, tu vas le perdre aussi dans Internet. Ah ah. Ah oui, j'ai vu ça. Hein? Il a trouvé un mari dans Internet, mais il a perdu aussi dans Internet. Parce que le jour qu'il a découvert que son mari qu'il a trouvé dans Internet était aussi avec d'autres filles dans Internet, Internet est venu dans la maison, Internet a tout détruit. Et il n'y avait plus de foyer à cause d'Internet. Cherchez les maris dans l'église. Les meilleurs maris sont à l'église. Les meilleures femmes sont à l'église. Vous n'avez pas besoin d'aller dans Internet. D'être en contact. Vous savez qu'une bonne femme qui se respecte là va aller se mettre, donner son adresse au monde entier, se livrer. C'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Sortez de ça. Vous avez besoin de l'onction. Si vous avez l'onction, vous n'avez pas besoin qu'un système vous rend clair. Si vous êtes noir, restez noir. Il y a des frères, des bons frères qui aiment des femmes, qui cherchent des femmes noires. T'enfoncer même. Alléluia. Tes bons frères. Tout ce qu'ils recherchent là, celles qui sont foncées, foncées, foncées. Mais si tu enlèves ça là, tu passes à côté de ta destinée. Parce que l'homme que Dieu avait prévu pour toi, ce qu'il aime, c'est les femmes qui ont des teints foncés. Alléluia. Mais si Dieu vous a donné aussi un teint clair, gloire à Dieu. Parce que je sais, il y a des hommes qui n'aiment pas que des teints clairs. Il y en a qui ne cherchent que des teints clairs. Mais trouvez-les dans l'église. Pas au dehors. Pas au marché. Pas dans la rue. Pas à l'internet. Non, à l'église. Trouvez-les en train de servir Dieu. Alléluia. Remplis, soyez remplis du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et nous dit la Bible, hein, est-ce qu'il avait vraiment besoin de tout ça là? Mais il l'a fait pour nous. Regardez. Vous savez, Jésus est Dieu. Il peut venir avec sa nature divine. Mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Hein? Ce qu'on peut nous dire dans Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé de sa nature divine, de son omniscience, de son omnipotence et de son omniprésence. C'est pourquoi il pouvait se limiter en ce lieu. Quand il est à Judée, il ne peut pas être au même moment en Samarie.
Vous n'avez pas remarqué? Pourtant, dans sa nature, dans sa vraie nature, là, comme disent les Ivoiriens, vraie nature, là, il est Dieu. Il est Dieu, il est omniprésent. Il pouvait être à Jérusalem, au même moment, il est à Samarie, au même moment, il est à Capernaum, au même moment, il est en Galilée, au même moment, il est à Bethphagé, au même moment, il est partout, il pouvait le faire. Mais il s'était dépouillé de ce vêtement divin, de sa nature divine. Son omniprésence là, il a pris, il a déposé. Il dit, papa, cette mission que tu m'as assignée nécessite que je me dépouille. Il a pris son omniscience, il dépose auprès du Père. Il a pris son omniprésence, il dépose. Son omniscience, il dépose. Son omnipotence, il dépose. Toute sa nature divine, il dépose là-bas. Il s'est présenté comme un homme, un simple homme. Et la Bible le présente comme un simple homme. Mais un homme rempli du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Tout comme vous et moi, simple homme. Mais ce qui va faire la différence, c'est lorsque nous serons remplis de la nature de Dieu. Et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Troisième niveau, il était revêtu de l'Esprit. Il était revêtu de l'Esprit. Au verset 14. Il est dit, Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Enfin, non seulement il était rempli de l'onction, il était rempli de l'intérieur, mais il était aussi rempli de l'extérieur. Et quand vous prenez le militaire, simplement avec sa tenue, son uniforme, il fait peur, n'est-ce pas? Il dissuade les autres. C'est ce qui arrive quand tu seras revêtu du Saint-Esprit. Tu vas te présenter seulement dans un territoire, comme Jésus quand il est arrivé au territoire des Gadaréniens. Simplement, tu te présentes comme ça. Tu n'as même pas dit au nom de Jésus, tu n'as même pas invoqué le sang de l'agneau, tu n'as pas invoqué la tête de Jésus, le pied de Jésus, le cœur de Jésus. Non, tu n'as pas invoqué tout ça. Simple présence comme ça. Hein? Quand les démons voient ta tenue, l'onction sur toi, le revêtement de puissance sur toi, les démons commencent à s'agiter, à tomber par terre. Ta simple présence, c'est en cela la Bible dit, tout lieu que foulera la plante, il parle des pieds de ceux qui ont l'onction. Sinon les pieds de ceux qui n'ont pas l'onction là. Je les ai vus. Même jusqu'à Washington, ils dorment entre la FMI et la Banque mondiale là. Parce qu'ils n'ont pas de domicile. C'est là où j'ai compris que en fait, si tu n'as pas l'onction, le reste là c'est zéro. Hein. Tu peux même voyager. Il y en a certains, le voyage c'est pour eux une priorité, c'est pour eux un objectif. Mais j'ai vu des gens qui ont voyagé jusqu'à Washington. Les Africains là, comme vous et moi. Ils sont à Washington. Le frère Claude qui était ici avec moi, il m'a dit, pasteur, je vais te montrer. Et on arrive entre le FMI et la Banque mondiale. Des gens qui dorment là-bas. Dans la rue. Des sans domicile fixe. Tous ces gens qui croyaient qu'une fois voyagés là, ils vont réussir. Regardez maintenant. Hein? C'est le revêtement de la puissance qu'il nous faut. Là, en ce moment, tu arrives aux États-Unis, le monde des affaires, les démons qui tiennent l'économie, qui tiennent l'emploi, qui tiennent toutes choses, ils seront qu'un enfant de Dieu, ouin, de la tête jusqu'au pied arrivé, rempli de l'intérieur et de l'extérieur. Quand ils voient ta tenue, ils vont te dire, mais on cherchait quelqu'un comme vous. Et c'est écrit où? Ça y est sur vous. Ça y est sur vous. Dis, oh, je veux cette onction. Oh Dieu, donne-moi cette onction. Donne-moi ce vêtement. Donne-moi cette tunique. Ah, ça, ce n'est pas de la blague. Si vous n'avez pas ça, je vous assure, si vous n'avez pas l'onction, le monde dans lequel nous sommes, si vous n'êtes pas rempli de l'intérieur et de l'extérieur, ne bougez pas de là où vous êtes. En tout cas, certains ont voyagé et sont devenus des homosexuels. D'autres ont voyagé, ils sont devenus des prostituées. En quittant ici, ils étaient des bons chrétiens. Arrivés là-bas, c'est des prostituées. En quittant ici, c'était des bons frères. Arrivés là-bas, ils sont devenus homosexuels. Parce que ce que tu ne domines pas finira par te dominer. Mais il y en a qui sont partis là-bas. Ils ont neutralisé le démon de l'homosexualité, le démon de la prostitution. Tous ont quitté, se sont éloignés d'eux. À la vue de leur uniforme,
à la vue de leur revêtement. Dès que tu te présentes, tout fuit. Quand Jésus arrive au territoire des Gadaréniens, tous les démons sont sortis. Les démons ont reconnu la présence de Jésus, d'un homme oint. Les sorciers ont reconnu la présence d'un homme oint. Tous les esprits ont reconnu la présence d'un homme différent. Et la Bible nous dit, il sortait de la barque. Mais dès qu'il a mis pied sur la terre là, les démons ont reconnu la présence d'un quelqu'un de différent. Ah, je prie que tel soit le cas pour toi. Dès que tu arrives, partout où tu puisses arriver, dès que tu te présentes, dans ton service, tu viens d'être recruté, dès que tu prends service le même jour, que tous les démons et les sorciers du service reconnaissent la présence de quelqu'un de différent, qu'il y ait des démissions en cascade. Même le patron va dire, ah non, non, moi je démissionne, je vais aller dans une société. C'est ta présence, ils vont tous fuir. Vous voyez, quand vous allumez, vous rentrez dans les cuisines africaines là, où il y a la nourriture laissée un peu partout, oh, j'encourage toutes les femmes de Bethel, que vos cuisines soient propres. Dès que tu allumes la lumière, tu vois les cafards qui te cherchent. Qui fuient, qui se cachent. Que tel soit le cas, dès que tu te présentes dans un service, même dans une école. Il y a certains qui disent, non, pasteur, l'opposition était tellement, même les professeurs étaient contre moi. C'est parce que tu n'as pas l'onction. Parce que tu n'as pas l'onction. Sinon, le professeur là-même peut démissionner à cause de ta présence là. Il ne faut jamais croiser tes regards. Parce que tu as un regard perçant. Il dit non, tu sais, pour trouver du travail maintenant, il y a certains qui demandent, il faut coucher avec. Non, au nom de Jésus, qu'elle n'ose même pas te regarder et penser à autre chose. À cause de l'onction sur ta vie. À cause du vêtement sur ta vie. Quand Jésus a quitté la montagne de la transfiguration, la Bible dit que ses vêtements étaient tout resplendissants. Tout resplendissants. Moïse, quand il a quitté la montagne, il avait la gloire de Dieu telle qu'on ne peut pas le regarder. Alléluia. Je prie que tu arrives à ce niveau d'onction. J'appelle cela le troisième niveau d'onction. Premier, naître de l'esprit. Et le problème, il y en a qui ne sont pas nés de l'esprit et qui veulent être remplis de l'esprit. Ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas né de l'esprit, vous ne pouvez jamais être rempli de l'esprit. Dieu ne saute pas les étapes. Et si vous êtes rempli de l'esprit, vous pouvez être revêtu de l'esprit. Et si vous êtes revêtu de l'esprit, vous pouvez être conduit par l'esprit. Et ça, c'est le dernier niveau qu'on a vu aussi dans la vie de Jésus. Chapitre 4, toujours au même chapitre, mais le verset 1. Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Même pour aller dans le désert, il était conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui conduisait la vie de Jésus. Ah, le temps est arrivé pour nous d'être conduits par le Saint-Esprit. Que nous ne fassions plus les choses de nous-mêmes. Arrêtons ça. Ce n'est pas onction. Ce n'est pas l'onction ça. Nous faisons les choses selon Dieu. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il dit, je suis rempli du Saint-Esprit au verset du Jourdain. Et il fut conduit par qui? Par sa mère? Par son père? Non! Par son oncle? Non, j'ai un oncle qui est ministre. Ta vie est conduite par un ministre, un homme, un oncle, un cousin. Hein? Tu penses que ta réussite dépend d'un homme, d'un cousin? Non, ta réussite dépend du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton succès dépend du Saint-Esprit. Ton élévation dépend du Saint-Esprit. Ton établissement dépend du Saint-Esprit, même pas du pasteur Félix. Du Saint-Esprit. Il revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Donne-nous une église conduite par le Saint-Esprit. Donne-nous des hommes conduits par le Saint-Esprit. Donne-nous des femmes que le Saint-Esprit dit, viens ici et viens. Va là-bas et va. Donne-nous des hommes et des femmes comme ça, Saint-Esprit. Possédés par le Saint-Esprit. Vous savez, si le Saint-Esprit ne vous possède pas,
Si vous n'acceptez pas la possession du Saint-Esprit, la domination du Saint-Esprit, et vous tombez dans la domination des démons, la possession des démons, vous êtes foutu. À bon entendeur? Ah, Luc, Matthieu chapitre 12, verset 22. Je préfère être dominé par l'Esprit de Dieu que être dominé par l'Esprit de l'Antichrist. Ou les démons, ou les esprits familiaux. On dit la nature a l'horreur du vide, non. Si ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Donc soyez remplis du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que rien d'autre n'a de la place en vous. Ni de l'intérieur, ni à l'extérieur. Qu'il n'y ait pas de place vide. Tout est occupé par Dieu. Tout est occupé. La Bible nous dit quoi? Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Regardez ça, un démoniaque. Déjà être un démoniaque, c'est un problème. C'est-à-dire que tu es habité par des démons, contrôlé par des démons. En plus d'être un démoniaque, d'être possédé par un esprit mauvais, tu es aveugle. Hein? Le diable est un mauvais diable. Il est mauvais de... En plus d'être aveugle, il est muet. Et souvent, quand quelqu'un est muet, c'est parce qu'il n'entend pas. Ça, la Bible n'a pas besoin de donner ce détail parce que déjà, un muet, c'est quelqu'un déjà qui n'entend pas. Il ne voit pas, il n'entend pas, il ne parle pas et il est contrôlé par des démons encore. Quatre problèmes, tout ça pour lui seul. Lui seul. Un démoniaque, un aveugle, un sourd et un muet. Ils ont amené ce cas-là à Jésus. Parce que pour ce genre de cas, il faut quelqu'un qui est né de l'esprit, rempli de l'esprit, revêtu de l'esprit, et quatre, conduit par l'esprit, qui peut résoudre ce problème-là. C'est pourquoi je t'invite à ce niveau d'onction-là. S'il y a un seul qui manque, il y a un problème. Et surtout, s'il y a le premier qui manque là, là, tu n'as même pas encore commencé. On est encore au niveau zéro, au point mort. Tu vas accélérer, accélérer, mais tant que tu es au point mort là, vous-même, vous savez que la voiture ne bougera pas. Bam, bam, tu vas mettre du carburant, accélérer, bam, rien. Tu ne bougeras pas parce que tu es au point mort. Il faut naître de nouveau. Ça, tu es au premier. Là-bas, tu peux démarrer. Maintenant, après, tu mets le deuxième. Ensuite, le troisième. Ensuite, le quatrième. Si c'est une voiture automatique, maintenant, même ça, ça vient automatiquement. Tu accélères seulement et puis ça bouge. Ah, je prie que tu reçois une onction automatique au nom de Jésus. Alléluia. Alors, cet homme, un aveugle, un muet, il ne voit pas. Il a des yeux, mais il ne voit pas. Il a des oreilles, il n'entend pas. Hein? Il a une bouche, mais il ne parle pas. Un homme dominé par Satan, dominé par les démons, par les forces sataniques, diaboliques. Cet homme ne pouvait rien faire de lui-même. Vous voyez des gens comme ça en Afrique? Il y a plein de gens qui sont là, assis là. Ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Même pour 100 francs là, acheter le pain, ils vont demander ça à papa ou à maman. Que Dieu les délivre au nom de Jésus. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne savent rien faire. Quand ils se lèvent le matin, ils n'ont aucun objectif. Parce qu'ils n'ont pas l'onction. Ils sont sous une domination étrangère. Les oreilles n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Ils ne voient pas. Quand Jésus a vu la situation de cet homme, la Bible nous dit que Jésus fut indigné. Jésus avait un mal. Vous savez, quand le Seigneur voit certains d'entre nous là, lui-même il est indigné. Quand il voit la situation de certains d'entre nous, il ne comprend pas quel type de chrétien nous sommes. Il se demande, mais avec tout ce que je leur ai donné, tout l'équipement, mais c'est quoi même ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Dit, ça va changer aujourd'hui au nom de Jésus. Je ne quitterai pas ce lieu. Je ne terminerai pas le mois où on parle de l'onction avant, sans être transformé à un autre homme, à une autre personne. Au nom de Jésus.
Celui qui devait dominer, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 29, 28, 26. Alors, Dieu crée l'homme et lui dit, je te donne le pouvoir de dominer. Regarde, tout ce que Dieu, il dit, tu domines sur les arbres, tu domines sur la mer, tu domines sur toute la création. Est-ce que c'est un tel homme comme ce démoniaque que Dieu avait créé? Non. Ce n'était pas un homme comme ça que Dieu avait créé. Dieu avait créé un homme avec des capacités de dominer. Pour terminer, je vous invite à un retour aux fondamentaux de l'évangile. Aux fondamentaux de l'évangile qui voudrait que chaque chrétien, chaque homme, chaque femme naisse d'abord de nouveau, soit rempli du Saint-Esprit, soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit comme Jésus et soit conduit par le Saint-Esprit. Lorsqu'on a conduit cet homme vers Jésus, la Bible dit Jésus le guérit. Et j'aime ça. Et Jésus le guérit. Je ne sais pas s'il y a cet homme ce matin ici, mais Jésus va te guérir. Tu as des oreilles, c'est pour entendre. Et tu entendras. Tu as des yeux, c'est pour voir et tu verras. Tu as une bouche pour parler et tu parleras de sa part. Parce que le but pour lequel Dieu envoie l'onction sur nous, Dieu vise plusieurs choses. Premièrement, la prédication de la parole. Dieu dit, il est dit de Jésus, il prêchait, il annonçait. Il dit, j'ai reçu l'onction, c'est pour publier, pour annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, c'est pour enseigner. Et troisièmement, la Bible nous dit, troisième but, pour guérir les malades. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Parce que je sens qu'il y a l'onction là qui va nous amener d'un niveau à un autre niveau. Alléluia. L'onction est indispensable pour une vie chrétienne équilibrée. Équilibrée. Dans Juges chapitre 3, verset 19, il dit, l'Éternel suscita un libérateur du nom de Othniel. Et regardez ce qui est dit de Othniel. Il est dit de Othniel, l'Esprit de l'Éternel fit sur lui. Dans un contexte de trouble. Mais l'Esprit de l'Éternel se saisit d'Othniel. Et il a libéré Israël. La Bible nous parle de Gédéon qui était faible. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit se saisit de Gédéon. Et Dieu lui dit, vaillant héros. Viens et libère. Il a libéré Israël. Avec Saoul, en Samuel chapitre 9, verset 6, il est dit, et l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. Ce matin, que le Saint-Esprit se saisisse de nous. Tu vas simplement parler à Dieu. C'est très simple. Tu vas juste confesser. Tu vas juste parler à Dieu. Seigneur, envoie ton esprit sur ma vie. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Saisis-toi de ma vie. Saisis-toi de mes mains, de mes pieds, de mes yeux, de ma bouche. Saisis-toi de moi.